Je vais prier. Père, je veux te célébrer pour ta fidélité. Ta grandeur est juste infaillible. Et ton amour, incroyable. Je mets une demande devant le trône de la grâce. Ce matin. Au Dieu pour cette responsabilité que le ciel m'assigne en ce moment précis. Pour apporter cette parole qui, j'en suis sûr, fera du bien à des milliers de personnes sur la planète Terre. Que ton nom soit béni. Aide-moi, ô Père, à rendre cette pensée, ce message, avec l'intégrité totale. Assiste-moi par ton esprit, ô Dieu, afin que ta parole apporte l'éclairage, apporte la réprimande, apporte le conseil, apporte la bénédiction, apporte la délivrance à quiconque m'écoute. Que ton nom soit honoré. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise dans cette assemblée et ailleurs, 3 fois Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors ce matin, je voudrais traiter de la question. 2 points, la gestion des connexions divines. La gestion des connexions divines. On appelle connexion divine toute relation qui a été divinement orchestrée, qui a été divinement établie. Le fait que Dieu t'ait mis en contact avec quelqu'un. Alors quand Dieu est l'auteur d'une connexion, elle est divine. Et dans le principe de la destinée, il est important de comprendre que tout ce que Dieu voudra faire dans ta vie, au travers de ta vie sur terre, il te connectera avec un humain qui va donc apporter quelque chose indispensable à ta destinée pour que tu passes à un autre niveau. Donc, il est important pour chacun d'entre nous, premièrement, de savoir identifier les connexions divines, deuxièmement, de savoir les gérer, bien les gérer. Car la mauvaise gestion d'une connexion divine peut handicaper ta marche dans le couloir de ta destinée. Il est important de savoir gérer les connexions divines. Donc une connexion divine sera à coup sûr un facteur d'accélérateur dans le couloir de ta destinée. Ça va apporter une plus-value à ton existence. Et donc, mais gérer, la gestion de cette connexion n'est pas toujours chose aisée. Pourquoi? Parce que toute chose que Dieu fait est combattue. Et même les relations établies par Dieu sont combattues. Vous devez vous-même vous engager dans le combat de la foi pour préserver les relations divines que Dieu a suscitées pour vous. Et dans tout ce que Dieu fait pour vous, c'est pour votre bien. Et vous avez besoin d'humilité, justement, pour préserver ce que Dieu vous donne. L'orgueil vous fera perdre même les trésors que Dieu aura mis en votre possession. Eh bien, cependant, c'est clair qu'il y aura toujours des séparations entre les hommes. Même souvent entre les hommes que Dieu met ensemble. Mais il faut être à même de pouvoir bien gérer la séparation, car ta manière de partir détermine ce que tu deviens. Lucifer a mal quitté Dieu et il est devenu le diable. Souvent, la déconnexion à une relation divine établie peut changer radicalement le cours de ton histoire et même falsifier ton identité. Vous savez, Élisée a été conçu par Dieu pour être rattaché à Élie. Donc, qu'Élie le voulait, Élisée le voulait ou pas, sa destinée était connectée à Élie. Et son devenir dépendait étroitement de sa manière de gérer la relation qu'il avait avec Élie. Ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. La séparation, c'est quoi? C'est le fait de rompre une relation qui a été établie. On se sépare. Ça peut arriver, mais il faut faire attention à comment est-ce qu'on se sépare. Allez demander à l'autre. La séparation avec Abraham a orchestré dans la vie de l'autre de sérieux problèmes. Partout où l'autre est arrivé, il y avait des problèmes. Pourquoi? Sa manière de partir. Il faut faire très attention. Il a perdu sa femme dans l'histoire. Donc, il ne faut jamais mal gérer les séparations. Jamais. Un jour, j'étais en Sierra Leone, je priais pour venir en Côte d'Ivoire, pas pour venir en Côte d'Ivoire, pour aller là où Dieu voulait que j'aille. Et puis, j'ai entendu Dieu me dire Côte d'Ivoire. Et donc, je m'apprêtais à venir en Côte d'Ivoire. La Sierra Leone, c'est juste à côté. Et le Seigneur m'a dit, tu ne mettras pas tes pieds en Côte d'Ivoire tant que tu n'auras pas réglé le problème que tu as avec ton pasteur. Eh bien, suivez-moi attentivement. Mon pasteur, si vous rencontrez mon pasteur à l'époque, et vous lui demandez, qui est ton meilleur collaborateur? Il dira de ta propre bouche, il n'y a pas un meilleur collaborateur que Raoul Wafo. Pourquoi? J'étais collaborateur, j'étais toujours présent au culte, je ne venais jamais seul à l'église, j'allais prendre des gens partout pour les amener à l'église. Et ensuite, je n'étais pas payé. J'allais chez le pasteur aider dans la maison pour les travaux domestiques, quand il y en avait, mais je n'étais pas rémunéré. Donc, un collaborateur pareil, c'est du jackpot pour chaque leader. Mais au fond de moi, j'avais commencé à développer cette pensée. Je ne l'avais partagée avec personne, j'ajoute. Disant, mais pourquoi est-ce que dans cette église, on ne fait que la promotion des personnes qui viennent du Libéria? Et lui, il était libérien. Mais c'était dans mon cœur, je ne l'avais dit à personne. Et Dieu m'a dit, tant que tu n'as pas réglé ce problème avec lui, tu ne pourras pas réussir là où je t'envoie. J'ai dû repartir sur le Cameroun, régler le problème, demander pardon à mon pasteur. Et ensuite, suivez-moi attentivement, il m'a dit non, il n'y a aucun problème, ça peut arriver. J'ai dit non, je suis venu régler ce problème avec toi. Et après, j'ai dit, je veux demander pardon à toute l'assemblée. Il m'a dit, ce n'est pas suffisant. Il m'a dit, ce n'est pas utile. J'ai dit non, pour moi, je veux le faire. Je suis venu en tout devant l'église, j'ai pris le micro et j'ai dit, pardonnez-moi mes frères, j'avais péché contre notre pasteur, en pensée. Et je suis parti. Je suis convaincu que la faveur que j'ai vue sur le chemin de ma destinée résulte de l'obéissance à Dieu dans la gestion de mes rapports avec mes leaders. Je n'ai jamais été conflictuel avec mes leaders. J'ai toujours fait l'effort personnel et délibéré d'être en paix tout en disant la vérité. Aujourd'hui, quand je vois comment est-ce que certains d'entre nous conduisent leur vie, écoutez-moi bien, je suis préoccupé. Tu vois ce que la Bible dit dans Jean 10:10, le voleur devient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur vient faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ah, très bien. Donc, il vient dérober. Est-ce que vous savez que même une relation divine peut être dérobée par le voleur? Le voleur peut voler une relation divine. Dieu peut te mettre en contact avec quelqu'un et le dévoreur vient voler. Donc, il s'intéresse à détruire tout ce que Dieu a initié, même les connexions. Nous devons faire très attention à la gestion des relations. Et il est subtil. Et dans ce texte, vous allez vous rendre compte que quand Jésus en parle, il va mettre de l'insistance sur les coupes de la voix de Dieu. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix et me suivent, elles ne suivront pas la voix d'un étranger. » Ça veut dire que la garantie de la jouissance, de l'abondance de la vie dépend de notre capacité à écouter Dieu et à le suivre. Voyez-vous, ça c'est vital. Écoutez Dieu et le suivre. Psaume 23, que tous les religieux aiment bien. On peut réciter par cœur, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Qu'est-ce qu'il est pour toi? L'Éternel est mon berger. Alléluia. Mais vous savez, c'est terrible, hein, de citer la Bible sans la comprendre. L'Éternel est mon berger. Là, il s'agit du berger de l'Orient, pas de l'Occident. Le berger de l'Occident se tient derrière la brebis et les conduit de derrière. Le berger de l'Orient se tient devant. Quand la Bible dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire que David dit, je suis l'Éternel comme une brebis suit un berger. C'est-à-dire, je vais où il me conduit. C'est lui qui choisit mon pâturage, c'est lui qui établit mes connexions, c'est lui qui établit mes territoires. Moi, je le suis. Voyez-vous? Voyez? Mais combien d'entre nous peuvent dire « L'Éternel est mon berger » Et il dit, il me fait reposer vers les verts pâturages. Il me dirige, il me dirige. Une question de direction. Il me dirige. Vous savez, nous sommes devenus tellement charnels dans l'Église en général, si je parle au corps de Christ, pas simplement à vous, qu'aujourd'hui, très peu de personnes prennent le temps devant Dieu pour demander la direction. Hier, j'ai une présence de Dieu. Et quand je revenais vers le livre à 3h30 du matin, ma femme m'a fait le remarque, mais t'as duré là la prière. Mais écoutez-moi très bien, je suis resté longtemps et j'ai senti pousser dans l'esprit de juste chercher la direction de Dieu. Ô Père, où veux-tu que j'aille? Ô Père, comment est-ce qu'on doit faire ci? Ô Père, juste la direction divine. Bien aimé, chercher la direction de Dieu. Juste être éclairé par Dieu. Écoutez-moi très bien, je ne peux pas risquer ma vie en vivant sans être conduit par lui. Telle voie peut paraître juste un homme, mais l'issue de la voie, c'est la mort. Il y a des personnes que vous rencontrez, et le lendemain, votre vie. Je me rappelle une jeune dame, à qui j'ai convoqué dans mon bureau, et je lui ai dit, attention, tu as rencontré quelqu'un, il est entré dans ta vie pour la détruire. Si tu ne fais pas attention, voici, tu auras le VIH. J'étais clair et net. J'ai utilisé cet office de prophète, où Dieu m'a établi, et je lui ai dit face à face. 2 mois plus tard, j'étais aux États-Unis, j'étais en train de prier, et le Seigneur me dit, elle a le virus. Je suis revenu, je l'ai appelé, j'ai dit, va faire tes tests. Elle m'a regardé toute tremblante, j'ai dit, il faut autant pour toi savoir ce qui se passe dans ta vie maintenant. D'accord? Et puis elle est partie, elle était séropositive. Pourquoi? Une rencontre. Il y a des gens, vous rencontrez, ils abrègent votre existence terrestre. Il y a d'autres, vous rencontrez, ils vous propulsent dans votre destinée. Amen. C'est très important de comprendre ça, très important. J'ai aimé cette phrase de Révérend Espérance, très profonde. Ton père, d'accord, biologique, indique tes origines. Et ton père spirituel indique ta destinée. Donc on connaît ta destinée par ton père spirituel, c'est très profond. Parce que celui qui dirige et te conduit indique où tu vas. Ça c'est très vrai. Et il dit, il me conduit. Vous voyez, il me dirige, il me conduit. Donc David était dirigé, David était conduit. Il dit, car tu es avec moi. On ne peut pas dire Dieu avec moi alors qu'on ne le suit pas. Non. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas obligé d'être avec vous dans ce que vous faites? Non, non, non. La maturité spirituelle consiste à reconnaître que Dieu bénit ce qu'il ordonne. D'accord? Dieu bénit ce qu'il ordonne. Et il y a beaucoup de personnes qui donc viennent, font les affaires et disent, oh Dieu, viens, bénis ça. Non. Dieu bénit ce qu'il leur donne. Quand il te dirige, la bénédiction est déjà en train de t'accompagner. C'est pour ça qu'il peut dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Je déclare sur ta vie que cela sera ton partage au nom puissant de Jésus. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Amen. Certains d'entre vous ne disent pas bien la même parce qu'ils n'ont pas encore goûté au bonheur. Le bonheur est succulent. Le bonheur est doux. Le bonheur est agréable. Je déclare sur ta vie que cela t'accompagnera au nom de Jésus. Quand le bonheur arrive, Dieu ne choisit plus tes repas. Tu ne manges plus à l'eau aux heures fixées par Dieu. Il te permet toi-même de manger ton propre repas. Quand le bonheur arrive, tu peux te lever le matin et tu te retrouves à Hong Kong. Il n'y a plus de question de prier en langue pour avoir un billet d'avant. Quand le bonheur arrive, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toute chose devient accessible. C'est ça la vraie terre promise. Je déclare sur ta vie que tu ne quitteras pas la terre sans goûter au bonheur. Donne-moi le meilleur des amens. Chaque homme que Dieu a créé a été conçu pour jouir du bonheur de Dieu. Oh, ne permets pas au diable de t'en priver. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes que tu rencontreras qui vont faciliter la vie dans le bonheur? Il faut donc faire très attention justement à la gestion de ta relation avec ces personnes. Laissez-moi vous donner quelques conseils, bien-aimés. Vous voyez, Josué était rattaché à Moïse. Et Moïse a facilité la destinée de Josué. Parce que Josué n'aurait peut-être pas eu la capacité de se tenir devant Pharaon. Moïse, quand il était avec Josué, Josué pensait, « Oh, je suis en train d'aider Moïse. » Il pouvait réclamer une augmentation de salaire. Mais à la fin, on se rend bien compte que celui qui aidait l'autre, c'était plutôt Moïse. Le plus dur était de faire sortir. Et Moïse avait la capacité parce qu'il était élevé dans la maison de Pharaon. Donc Dieu a suscité Moïse pour aider Josué à commencer la tâche que Josué allait achever. Faites attention. Souvent, vous pensez que vous aidez votre patron. En fait, votre patron vous aide. Faites très attention. Faites très, très attention. Il faut être à même de discerner. Si mon futur dépend de ma gestion, de la relation avec quelqu'un qui est établi au-dessus de moi, je fais très attention. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour le Seigneur et non pour des hommes. D'accord? C'est très important. Ensuite, voyez, la destinée des disciples était réunie à Jésus. C'est pour ça que le jour où il les a demandé de partir, ils ont dit, mais à qui d'autre? Puis il a dit, à dirons-nous, car tu as les paroles de la vie. Ils reconnaissaient que leur destinée était connectée au Maître. C'est le principe de Dieu. Il connectera toujours ta destinée à quelqu'un. Et le bonheur consiste à réussir, à repérer la connexion et, n'est-ce pas, à rester stable. D'accord? C'est un principe de Dieu en ce qui concerne la destinée. Voyez, maintenant je vous donne 4 conseils avant d'entrer dans le vif même profond du sujet. Premièrement, il ne faut jamais promouvoir autour de vous des personnes que vous n'avez jamais éprouvées. Ne le faites jamais, ne commettez pas cette erreur. Car ces personnes, vous ne les connaissez pas. Ne donnez jamais de promotion aux gens que vous n'avez pas éprouvés. Donc, éprouvez les personnes autour de vous. Parce que certains bois peuvent s'avérer être des vipères quand elles tombent dans le feu. Il n'y a que le feu qui révèle la nature du bois. Dans le feu, le bois consume. Dans le feu, la vipère s'agite. Faites très attention. Éprouvez des gens. Ne soyez pas au nom de « Oh, c'est ma soeur en Christ ». Non, très attention. Le frère en Christ est celui qui peut te mettre en crise. Donc, bien aimé, il faut être attentif. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Très bien. Deuxièmement, vous n'allez jamais connaître qui sont les hommes que quand la crise va survenir. Je vous garantis. Même avec sa femme, vous ne connaîtrez jamais votre conjoint s'il n'y a pas eu de crise. C'est quand la crise arrive que vous connaissez la personne. Et je vous donne un conseil. Ne vous décidez jamais dans les crises. Non, non, non. Dans les crises, beaucoup de femmes veulent divorcer. Beaucoup d'hommes veulent chasser les femmes. Dans les crises, on veut quitter l'église. Dans les crises, ne vous décidez jamais dans la crise. Parce que la crise est une opportunité pour consolider la relation. Et non pour partir. L'homme a eu une crise avec Dieu. Et Dieu a bien géré la crise en couvrant la nudité de l'homme pour renforcer les liens. Les crises vont arriver. Et les crises doivent arriver. Si vous n'avez pas encore été en crise avec un homme ou une femme, ne l'épousez pas encore. Laissez venir la crise, qui sera le test pour voir si oui ou non c'est la personne. Ne soyez pas très émotionnel. Ok? La sagesse est importante. Troisièmement, c'est dans l'abondance que se révèle le vrai visage de ceux qui te côtoient. Je reprends. C'est dans l'abondance que se révèle le vrai visage de ceux qui te côtoient. La pauvreté est un masque. D'accord? Ça va masquer le caractère. D'accord? Les gens qui viennent à l'église tôt le matin, avant 8 heures, ils sont déjà là. Je vous garantis, parmi eux, si on change leurs conditions sociales, ils viendraient peut-être à 18 heures après le culte. Et vous dites, pasteur, je suis devant l'église, est-ce que tu peux revenir me faire un culte en privé? Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je déclare que cet esprit est vaincu au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Oui, l'argent. L'abondance révèle le caractère. D'accord? Révèle le caractère. Donc, ne faites pas confiance aux gens seulement parce que, oh, il est très sérieux. Non. S'il n'a rien, il est condamné à être sérieux. Et donc, non, sérieux. Et c'est plus grave encore. J'ai vu des gens qui n'ont rien et qui ne sont pas sérieux. C'est plus 2 fois dangereux. Tu n'as rien et c'est toi qui fais le malin. Voyez-vous? D'accord? Enfin, ne cherche pas à savoir quand tu es un leader, ce que pensent ceux qui t'entourent tout le temps. Tu cours le risque d'avoir un AVC. Je te garantis. Donc, ne cherche pas à avoir leur avis tout le temps. Parce qu'un leader dirige. Même quand il s'agit d'emprunter des voies que la foule n'aime pas, il dirige. J'ai vu des pasteurs, et j'encadre beaucoup, qui sont restés dans les paroles de connaissance tout leur ministère uniquement. Pourquoi? Parce que c'est ce que la foule aime. Mais on ne va pas donner à la foule ce qu'elle aime. Quand on est un bon leader, on donne ce que le peuple, même ce que le peuple n'aime pas. C'est très important. Pour bâtir les gens, il est important d'apporter à ces personnes ce qu'elles doivent avoir et non ce qu'elles veulent avoir. À la fin des temps, les gens ont la démangeaison des choses qu'ils aiment entendre. Mais, heureusement, ce n'est pas sur cet autel que vous allez satisfaire ce genre de démangeaison. Je suis prêt à fêter certains d'entre vous comme sémence prophétique dans d'autres églises. Si c'est ce que vous aimez, mais pas ici. J'ai maudit le jour de la corruption, j'ai maudit le jour de la déviation, j'ai maudit le jour où le diable prendra le contrôle de cet autel. Ça n'arrivera jamais. Merci pour cet amen. J'ai la certitude que toi et moi, on se retrouvera au ciel. Donc si ici tu n'as pas dit amen, au ciel tu viendras me dire merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que quand je vois mes amis et je vois le type de couronne et les quartiers qu'ils habitent, heureusement, tu m'as mis aux deux plateaux du ciel. Heureusement, tes messages m'ont amené. Amen. Que quelqu'un comprenne de quoi je parle. Amen. Alléluia. Donc, je ne peux pas tout attendre ici, bien-aimé. Il y a des récompenses qui seront célestes. Je travaille en vue de celles qui sont à venir. Je sais qu'on est à la fin des temps. Je le sais. J'en suis conscient. Et je dirige ma vie dans ce sens. La fin des temps arrive. Donc, bien-aimé, je vous prépare ça. Ayons la bonne attitude. Maintenant, je vais vous montrer 10 ruses de Satan qui provoquent des faux départs. Ils appellent ça faux départ. Quand vous avez regardé la course de 100 mètres, d'accord, il y a, ou même la course de fond, il y a des starting blocks. Et on se met là, ensemble pour courir. Et puis, on doit attendre un coup de canon pour partir. Mais si tu pars avant, on appelle ça faux départ. Et dès que tu es parti avant, tu es éliminé. Tu peux être performant, le meilleur de ta saison. Mais aux Jeux Olympiques, si tu rates le départ, tu attends 4 ans. Donc, il faut faire attention. Les départs, il faut bien les négocier. Il ne faut jamais mal partir. Le faux départ va occulter beaucoup de choses dans ta destinée. Et je te garantis, ça va te... Tu vas perdre beaucoup de temps. D'accord? Tu seras obligé d'attendre encore. Non, je prie vraiment de tout mon cœur que tu ne connaisses pas de faux départ. Première ruse de Satan, numéro 1. D'ailleurs, arrêtons-nous là un moment. Je vais vous dire ceci. Il y a des personnes qui sont connectées en leader pour la vie. Il n'y a que la mort qui vous sépare. Vous comprenez, hein? Sérieusement. Il n'y a que la mort qui vous sépare. D'autres, ça peut être pour un temps. Mais la négociation du départ doit bien se faire. On le verra dans la suite. Premièrement, écoutez ceci en ce qui concerne les faux départs. La première ruse, Satan sème le doute et le découragement. Le doute et le découragement. La personne était dynamique, venait à l'église tout le temps. Et puis maintenant, vous voyez, la personne commence à arriver en retard. La personne commence à avoir une mine un peu serrée. La personne commence à... Et c'est là... Ou quand vous approchez la personne, vous entendez dire, je suis dans cette église depuis longtemps et je n'ai rien vu. Je ne vois rien se faire dans ma vie. Voyez-vous? Donc je dis, je ne parle pas seulement ici, je parle à tous les autres. Parce que ça va aider beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs. Voyez, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Bien-aimé, il est possible que si tu ne vois rien, c'est parce que tu es aveugle. D'accord? C'est très important. Suivez-moi attentivement. Entre-temps, pendant que tu dis que tu ne vois rien, il y a beaucoup de personnes qui témoignent. Il y a des gens qui saisissent des miracles, qui saisissent des grâces, qui témoignent tout autour de toi, tu dis tu ne vois rien. Écoutez, c'est le même problème qu'Adam a eu avec Dieu. Adam était avec Dieu, tout allait bien, jusqu'au jour où il a mangé le fruit. Et donc il peut aller devant Dieu se plaindre, « Oh Seigneur, depuis que je suis en train de cultiver, il y a trop d'épines. Mon pasteur n'est plus loin comme avant. » Non, le pasteur d'Adam n'avait pas changé, il avait la même onction. C'est Adam qui avait changé vis-à-vis de son pasteur et ça a maudit son sol. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. Je suis de ceux qui pensent que même si il arrivait d'aventure, que tu es dans une église et ton pasteur a un problème, tes leaders ont un problème, si toi tu n'as pas de problème, le ciel te sera toujours favorable. Ton amen me dérange. Oh oui, nous avons une relation étroite et directe avec le ciel. Donc, si tout va bien de ton côté, la terre te produira toujours au centuple. Et je souhaite de tout mon cœur que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. D'accord? Genèse 3, verset 17. Ensuite, prenez Jacques 1, verset 6 à 8. Vous voyez les personnes qui doutent. Mais la Bible dit que celui qui demande, demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Voyez-vous? Regardez. Il est agité par le vent, poussé d'un côté à l'autre. Ça ressemble à quoi? Vous avez déjà vu des gens d'église qui sont là, ils ont un programme à gauche, boum, ils sont à gauche. Ils ont un pasteur qui arrive, boum, ils sont à droite. Ce sont les gens poussés par le flot. Oh, il y a tel grand prophète qui est venu. Hein, il faut que j'aille me faire imposer les mains. Ok. C'est des personnes généralement qui sont agitées par les flots. Mais la Bible dit que nous devons être plantés comme un arbre près d'un courant d'eau. Les personnes qui réussissent à porter des fruits sont ceux qui sont plantés. Alors que ceux qui ne portent pas de fruits sont ceux qui sont agités. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. D'accord? Et la Bible dit, quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez, c'est très fort. Hein? Quand tel homme ne s'imagine pas, qu'une telle femme ne pense pas qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Hébreux 10, verset 36, vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu pour que vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance, c'est une vertu dans le royaume. La persévérance est indispensable à la manifestation des œuvres de la foi. Hébreux 10, verset 38, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc ça veut dire qu'il y a un combat à mener. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Bien-aimés, toute connexion que Dieu a établie, on doit livrer le combat de la foi pour jouir des bénéfices rattachés à cette connexion. Même dans le mariage. C'est important de comprendre ça. D'accord? C'est très important. Donc, si nous ne le comprenons pas, nous passons à côté. Deuxième chose que le diable fait, il installe la confusion. Oh, dis arrière de moi, Satan. Dis-le encore, arrière de moi, Satan. C'est très bien, vous voyez? Dans la confusion, qu'est-ce qui se passe? On devient familier. La familiarité, c'est vraiment le piège qui neutralise la mouvance de l'onction. La confusion. On devient familier. La Bible dit, Jésus ne put pas faire des miracles parmi les siens. Alors que nous savons tous que Jésus était tout puissant, mais il ne put pas faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, moi en tant qu'homme spirituel, ils viennent dans mon bureau, je vais prier pour eux, j'entends au fond de moi, je sais au fond de moi qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas. Ils sont familiers. Ils ont claqué les doigts du pasteur jusqu'à ce que les empreintes sont déjà en train de finir. Amen. Ils sont là, on se tapote. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a deux dimensions. Quelqu'un dit deux dimensions. Donc quand on côtoie un homme de Dieu, il faut faire très attention. La dimension surnaturelle de cet homme doit être préservée hors de la confusion. De nuit comme de jour, quand j'ai affaire à lui, c'est un homme de Dieu. Il y a quelque chose de moi qu'il possède dans son onction et dans sa grâce. Ben, il a été établi pour le perfectionnement du corps. Et suivez-moi attentivement. Là encore, il y a beaucoup de problèmes. C'est que Abraham a béni Isaac. Isaac n'a pas été béni par quelqu'un d'autre qu'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était le père d'Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob n'est pas allé se faire bénir par Laban. Pourquoi? Parce que Isaac était le père de Jacob. Jacob a béni ses fils. C'est le même principe. Même si c'est Renard Bonquet, même si c'est Billy Graham et n'importe qui vient à Abidjan, à partir du moment où tu es connecté à ma grâce, tu es connecté à ton pasteur, que ce soit en France ou n'importe où, n'imagine pas un seul moment que la bénédiction viendra de celui qui passe. Ce n'est pas vrai. C'est très faux. Très, très faux. C'est ton Père qui a la parole qu'il faut pour propulser ta destinée vers les hauteurs. Il a été juridiquement, légalement établi par le conseil de Dieu pour dire quelque chose sur ta destinée. Et quand ils parlent, cela arrive. Donc je vois des gens qui pensent qu'ils sont en problème avec leur pasteur. Ils vont fuir leur pasteur, aller voir notre pasteur pour lui prier pour moi. Ça ne marche pas. On est dans la même maison. On est dans la même maison. Je renvoie systématiquement toutes les personnes qui viennent me voir, qui ont un pasteur, à qui ils disent, oh non, je n'ai pas envie de dire ça à mon pasteur. Tu es vraiment le meilleur pasteur de la ville. Écoute, il ne faut pas te laisser blaguer inutilement. C'est te blaguer. D'accord? Parce que ce qu'ils te disent, ils diront à quelqu'un d'autre. Il faut les renvoyer voir leur pasteur. Va régler cette question avec ton pasteur. Et permets, dis à ton pasteur que tu veux venir me voir. Sous la recommandation de ton pasteur, alors je peux prier pour toi et des choses extraordinaires arrivent. On ne peut pas voler, on ne vole pas la grâce. On ne vole pas la grâce. Il y a un ordre dans le royaume des cieux. Et à la fin des temps, un désordre, c'est ça. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile le prêchent pour leur ventre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on établit des principes, et des faux principes, simplement pour pouvoir sucer le peu d'offrandes qui te reste dans ton compte bancaire. Oh, que Dieu t'en préserve. Donne-moi un bon amen. Amen. Et donc, vous voyez, et ça, certaines personnes, je n'arrive pas à comprendre, bien aimé. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 1 à 2, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Bien aimé, Dieu t'a établi quelque part. Pourquoi tu te mets à l'écart? Sois là, sois planté. Oh non, on m'a fait quelque chose que je n'aimais pas. Mettez-vous à la place de Pierre. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, devant les frères. Tous étaient là. Et c'est lui qui l'allait nommer leader. Arrière de moi Satan. Pierre dit, bon, je crois que là, d'ailleurs, un jeune homme comme toi, tu m'as trouvé pécheur, tu sais d'où je viens. Tu peux oser, moi me dire, arrière de moi, tu me connais. Je vais te montrer ici en Israël. Vraiment bâtard comme ça. Il y a des gens qui étaient capables de le dire. Sérieusement. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a des gens qui parlent comme ça au pasteur. Je vais lui montrer. Alors c'était, Jésus était son cadet. C'était son petit frère. Pierre, c'était un aîné. Il avait les cheveux blancs quand Jésus n'était même pas, avait juste tout jeune. Arrière de moi, Satan. Qui parmi vous aurait accepté ça? Il faut dire arrière de moi, Satan. RTI 2, RTI 1, communiqué de presse, alléluia. Conférence, j'ai la preuve que ce gars n'est pas de Dieu. Non, non, et non. Bien-aimés, souffrez souvent, même si vous pensez que votre pasteur a commis une erreur à votre égard, souffrez de cette erreur et prenez-le bien. Posez-vous la question de David. On te oint devant ton père, on verse l'huile, on prophétise le prophète de la saison. Que tout le monde connaît comme le grand prophète, on dit c'est toi le roi. Le père dit ok, merci prophète. Hein? Dieu te bénisse. Il dit à David, vos affaires de l'église là, Robosso, en parlant en langue là, c'est pas ici. Toi tu rentres en bouche, gardez les brebis. Vous imaginez la tête de David? Il est en bouche, quand toutes les caméras sont en ville, il est en bouche cachée. Et c'est lui qui porte l'ancien. Qui de vous va accepter? Dès que tu as prié pour malade, et il a retrouvé la santé, vous, pasteur. Je crois que là, il faut me nommer dans le département. Je suis devenu important. Amen. Tu vois, il a quand le salut là maintenant, il est. Hein? C'est ça justement. On te donne de la parole, tu as prêché au message. Les gens acclament. Oh, je suis le super-héros. Alléluia. Personne n'est. Non, bien-aimé, reste calme. Dis à ton voisin, reste calme. Amen. Il faut rester calme. Il n'y a pas à t'agiter. Il ne faut pas t'agiter. Dieu au contrôle. Le chemin est très long. Sois calme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sois calme. Donc si on te reprend, ton pasteur veut ton bien. Ton père, ton leader veut ton bien. Quand ton leader divin, il veut ton bien. Même son erreur est une bonne chose pour ta vie. Même l'erreur. Donc il faut prendre en main la responsabilité de gérer fortement cet appel. Vous voyez, dans Ephésiens 4, versets 11 et 12, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, les dons du ministère sont donnés pour le perfectionnement des saints. Et il est aussi dit, dans le livre de Colossiens, il est dit aux employés de traiter, de se comporter vis-à-vis de leur leader, de leur patron, comme vis-à-vis du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque leader que Dieu met au-dessus de nous, à une portion de grâce de Dieu qui est rattachée à son leadership, dont nous devons en jouir. La saison viendra si Dieu veut te mettre à part. Mais ça doit se faire dans la dignité, dans la propriété, normalement. Vous voyez, c'est très important. Le troisième point, j'ai vu, sérieusement dans le corps de Christ, les fausses accusations. Les fausses accusations. Le diable s'appelle l'accusateur des frères. C'est pour ça que j'ai une politique claire. Je ne fais pas la promotion de ceux qui accusent. Ça, c'est un principe clair. Tout le monde le sait. Je ne fais pas la promotion de ceux qui accusent. C'est-à-dire, tu ne vas pas venir me baratiner en me racontant de mauvaises choses sur les gens. Tout de suite, je sais que tu es mauvais. On reconnaît une source par la qualité de ses eaux. Donc, si ta bouche ne fait que dire du mal, c'est que tu es mauvais. Même si ce que tu dis, tu penses à des rapports, tu es mauvais. Donc, ensuite, quand tu dis, viens dire ce que tu as dit, il faut que tu aies le courage de ne pas dire « on ». Parce que « on », ce n'est pas le nom de quelqu'un. Il faut dire « qui a dit ?»« On m'a dit ». »« J'ai entendu que ». Non, il faut habiller la personne, identifier. D'accord? Deutéronome 19, verset 15. « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. » Combien de témoins? Un seul témoin ne suffira pas. On a dit quoi? Je reprends, on a dit quoi? Maintenant, laissez-moi vous donner la révélation derrière. Imaginons que je vois un frère, j'ose même pas donner de nom, en train de commettre un péché. Je suis seul à l'avoir vu. La Bible dit, comme je suis seul à l'avoir vu, ça ne suffit pas pour l'accuser. C'est trop fort. Ça veut dire que si longtemps que je l'ai vu seul, Dieu a permis que je le voie pour couvrir et l'aider. Parce que le jour où Dieu voudra l'exposer, on sera plus d'un à voir. C'est ce que ça veut dire. D'accord? C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, que, quel qu'il soit, on ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire déposition. Par rumeur, déposition de 2 ou de 3 témoins. Le témoin, c'est quelqu'un qui a vécu l'histoire, pas une rumeur entendue. Alors quelqu'un m'a dit un jour, oh pasteur, j'entends si il n'y a pas de fumée sans feu. Je lui ai dit, mais où était le feu? Où était le feu quand on a accusé Jésus? Le feu était où? Et vous savez, généralement, les personnes qui aiment accuser mangent le repas de l'accusation. Chaque fois que vous aimez entendre des choses sur les gens, on finira par dire trop de choses sur vous-même. Et donc récemment, je l'ai appelé, j'ai dit, oh, mais c'est pas vrai, j'entends tellement d'histoires sur toi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais selon ton principe, il n'y a pas de fumée sans feu, bien que moi, je crois le contraire. C'était... Il a commencé à casser ses dents. Amen. Mais bon, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Prenons aussi 1 Timothée 5, verset 19. D'accord? Faites attention aux fausses accusations. D'accord? Vous savez, si par exemple, on vient me dire que Steve a fait quelque chose, ok? Je sais que Steve, son fils, qui m'aime beaucoup, on vient me dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vous garantis que quel que soit ce que je suis, quand je verrai Steve, ça va changer ma perception de lui. Ça va influencer. Donc, par loyauté, je dois lui dire, tout ce que vous avalez concernant quelqu'un biaise votre perception de la personne. Vous devez parler avec la personne, confronter la personne et dire. Et croire ce que la personne vous dit. L'amour croit tout. C'est pas, oh, Joe, j'ai entendu ça, mais bon, ok, dans tous les cas, tu commences à être là, et puis tu dis, bon, on observe du coin de l'œil. Mais entre-temps, tu observes quoi? Ta destinée est où? Où est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme progrès? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme avant? C'est rien du tout. Tu deviens un observateur. Dans la destinée, il y a 2 groupes. Il y a les spectateurs et les acteurs. Les rumeurs te classifient tout de suite dans le podium pour regarder ceux qui sont en action. Alors que quand tu n'es pas dans les rumeurs, tu deviens un acteur. Quand on est sur le terrain de football, on a ceux qui ont le ballon et on a ceux qui regardent dans les tribunes. Moi, je ne veux pas être dans les tribunes. Les commentaires, c'est dans les tribunes. Mais ceux qui ont le ballon au pied n'écoutent pas ce que les gens disent dans les tribunes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Vous ne pouvez pas faire l'impact dans votre destinée si vous êtes toujours en train de murmurer. Vous n'aurez pas le temps de passer à l'action. Il faut taire. La Bible a dit, si la main droite pour toi une occasion de chute, coupe-la, tu la jettes au feu. Et si c'est la bouche, arrache-la donc. Coupe ta langue. Autant être mieux que de mourir et aller en enfer à cause de cette petite langue qui te crée des problèmes. Mets ta main sur ta bouche et dis, langue, tais-toi, dis la vérité maintenant. Tu n'es plus dans le commérage. Dis ça à ta langue, langue, je te sanctifie, plus de commérage. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que la calomnie est tellement agréable à écouter. Oh, il paraît que, oh, affaire moi, oh, on dirait que, oh, alléluia. Amen. Et généralement, ça dénote d'une absence de méditation de la parole de Dieu. On vit de réel dans l'âme. 4e point, le mensonge et la calomnie. Jean 8, verset 44. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Voyez, faites attention au mensonge et la calomnie. Faites très attention. Nous ne devons pas laisser prospérer le mensonge et la calomnie. Pas du tout. D'accord? Numéro 5, la manipulation. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. Vous voyez, il y a des personnes, oh, les manipulateurs, j'en ai connu. J'ai le privilège d'avoir beaucoup voyagé et prêché dans les églises. Donc, j'ai été confronté à tellement de problèmes. Alors, ce qu'on trouve dans les églises charismatiques, c'est là où on est toujours, dans les personnes qui sont là et qui pensent à la puissance, d'accord, qui sont toujours en train de vivre dans le ciel et jamais sur la terre. Hein, c'est ça le vrai problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, Dieu m'a montré une vision. Dieu m'a montré une vision. Et il y a des personnes comme ça à l'église. Ils sont toujours en train de donner les visions aux gens. Oh, Dieu m'a montré. Oh, Dieu m'a montré. Oh, Dieu m'a montré. Bien aimé. Écoute-moi très bien. Le problème, c'est que regardez ces personnes qui vous donnent des visions. Elles sont où elles-mêmes? Quand Joseph a eu une vision, il a terminé premier ministre. Toi, tu as une vision, tu es toujours en train de nettoyer les yeux. Non, c'est un problème. Il faut d'abord que la vision crée quelque chose sur ta vie. Tu n'avances pas toi-même, tu fais du surplace, mais tu es toujours en train d'avoir des visions pour les autres. Dis à Dieu, s'il te plaît, donne-moi des visions pour moi-même. Personne ne t'a établi juste ici, tes frères. Et tous les jours, c'est les visions pour les autres. Les révélations. Oh, Dieu m'a montré. Oh, Dieu m'a fait ci. Oh, Dieu m'a... Et vous savez, ça fait que les gens donnent l'impression qu'ils deviennent trop spirituels parce qu'ils font des visions. Oh, Marie, je vous souhaite de ne pas avoir une femme visionnaire. Ah. Oh, les femmes qui sont toujours en train de faire des visions. Elles manipulent leur mari. Oh, attention, Dieu m'a montré qu'on ne mange pas avec les fourchettes aujourd'hui. Il faut qu'on prenne des bambous chinois. Dieu m'a montré qu'il fallait qu'on fasse... On m'a montré, donc finalement, le gars est dans la main. Et vous savez, donc finalement, il y a des femmes qui tiennent leur mari par des révélations. Oh chérie, il faut qu'on verse toute une bouteille d'huile sur la voiture aujourd'hui avant que tu ne sortes. Le mari regarde. Dieu m'a montré, il faut qu'on casse 3 œufs sur les pneus. Vous allez aller où avec ça? Vous voyez? Et donc la femme tient son mari avec ça. Elle tient tout le monde. Et elle est obligée d'alimenter ses visions. Maintenant, elle la fabrique elle-même. Elle prend ses imaginations, elle colle dedans. Et elle est à l'aise dedans parce qu'on la respecte, madame la prophétesse. Oh non, c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai connu dans cette église, elles n'ont pas survécu. D'autres se sont radicalement converties. Elles étaient déjà sauvées, mais elles se sont converties. D'autres ont dû partir. Exfiltration. Vous voyez, 2 personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues. Il y a des choses pour votre bien-être que moi, j'accepterai pas dans la communauté. Parce que c'est nocif. C'est un poison à ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui continue ça et puis on n'est pas au courant. Regarde ton voisin. Amen. Attention à la manipulation. La Bible dit quoi? N'éteignez pas l'esprit, c'est vrai? Ne méprisez pas les prophéties, c'est vrai, 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc on ne peut pas venir te dire, Dieu m'a dit, et puis tout de suite tu prends ça comme étant un chèque que le ciel t'a envoyé. Non, Dieu a dit, et puis quoi? C'est pas parce que Dieu a dit, Dieu lui-même a dit, lui-même, et noir sur blanc, examine ce que je dis. Donc ce n'est pas mauvais d'examiner ce que Dieu dit. Et généralement, ces gens vont te dire, ils vont te montrer comment c'est urgent. Si tu ne fais pas ça, tu risques de ne pas te réveiller demain. En fait, c'est eux qui veulent te tuer, ce n'est pas le diable. Ils vont s'aimer la peur dans ta vie. Tu commences à penser, d'accord? Comment on m'appelle les États-Unis? Oui, je t'ai vu mourir brutalement, tout ça, je dis, tout de suite, bon, automatiquement, j'ai dit, ça ne m'arrivera pas. Et il a continué, il dit non, tu sais, quand ma femme donne des révélations, c'est exact. Il dit, c'est peut-être que, en fait, elle a mal vu. C'est toi qui étais en train de mourir, c'est pas moi. Si c'est exact, c'est toi qui meurs, c'est pas moi qui meurs. Est-ce que vous comprenez? Donc ils vont vous dire, non, moi je ne me trompe jamais, mes visions arrivent toujours. Bien aimé, quel est ce Dieu qui prend plaisir à te montrer des choses du mal qui arrivent toujours? Dieu n'est pas comme ça. S'il te montre quelque chose de mauvais, c'est pourquoi tu changes. J'ai appris une chose. Même si Dieu envoie le plus grand prophète, me dit je meurs demain, il m'a donné une bonne opportunité. En fait, si Dieu te dit tu meurs demain, s'il te donne la possibilité de changer la date. Parce que s'il voulait que tu meurs demain, il ne t'aurait pas dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est clair, il ne t'aurait pas dit. Donc s'il te dit c'est demain, tu dis Dieu non. Et tu prends des arguments sur la table, tu changes la date. Il augmente encore. Donc ne panique pas, ne te laisse pas manipuler. Les manipulations. Et donc vous voyez les gens qui sont là et puis commencent à avoir des clans de personnes entre eux. Généralement, vous allez rendre compte que si les personnes sont ébriées, il va commencer à contacter les ébriés et les appeler par téléphone et parler en ébrié. Ce n'est plus en français. Quand quelqu'un t'appelle, il commence un autre dialecte, vrombo soto tout de suite, rakata bakata. Revenons dans le français. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'il est en train de toucher ta fibre. Il est en train de te montrer que vous êtes frère quelque part. Et vous allez voir qu'un groupe de personnes commence à avoir le même virus. C'est de la même région. Ça s'infiltre entre eux. Mais c'est exactement ce que Lucifer a fait. Il n'a pu entraîner aucun ange qui était sous Michael. Il a pris ceux qui étaient sous lui. La proximité à un leader mauvais peut être une porte d'entrée à une chute soudaine. Faites très attention. Si vous avez un responsable sur vous à l'église qui commence des mauvaises actions, dénoncez-le tout de suite parce que ça peut vous pourrir. La calomnie et ces choses de manipulation sont comme un cancer. Quand ça commence, autant sectionner rapidement. Sinon, ça peut être dangereux. Voyez-vous, c'est très important. Très, très important. Et vous voyez, les gens ils disent, oh vraiment, non, dans tous les cas, je n'aime pas la tête du pasteur. Bien-aimé, tu n'aimes pas ma tête, tu n'aimes pas la tête de ton futur. Ça va pour chacun d'entre nous? Donc, moi, je suis un garçon libre. Amen, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, honnêtement, si tu n'aimes pas ma tête, tu viens me voir, je t'en fais qu'ailleurs. Tu me demandes un pasteur dont tu aimes la tête dans la ville, je l'envoie. Je dis, oh gars, il aime ta tête. Et il est possible que si ce genre de personnes aiment ta tête, c'est pour l'envoyer à la croix. Donc, je vais l'envoyer là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'aime pas la tête du pasteur. Oh, vraiment, il m'énerve cet homme. Alléluia. Amen. Je mettrai une inimitié entre les semences, la postérité de la femme et celle du serpent. Je vais vous dire une chose, je mène ma vie telle de telle enseigne que si quelqu'un me déteste, c'est un indicateur qu'il est complice du diable. Je reprends. Je la mène telle que si quelqu'un me déteste, c'est un indicateur qu'il est un complice conscient ou inconscient de Satan. Sérieusement. C'est un indicateur que le diable est avec lui, quelque part, même s'il ne le sait pas. Vous ne pouvez pas détester les intérêts de Dieu sur terre. Quand Dieu a son intérêt quelque part, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez aimer les intérêts de Dieu. C'est pour ça que je t'aime. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour ça que je t'aime. Parce que tu es un intérêt de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois ça? Tu es un intérêt de Dieu sur terre. Alléluia. Amen. Ensuite, vous voyez, le diable va venir s'aimer les mauvaises motivations. Les mauvaises motivations dans le cœur. Voyez, regardez ce que la Bible dit dans Jean 6, versets 60 à 71. Oh, j'aime ce texte. Plusieurs des disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Voyez-vous, Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, envoyé par le ciel, prêche un message et des gens, disciples, pas la foule, disent non, ce message est trop dur. J'ai connu des gens comme ça. Non, pasteur, pourquoi tu enseignes dessus? Ça m'offense, ça me blesse. Bien-aimé, c'est pas parce que tu as volé que je vais dire que voler est bon. Je vais continuer de dire que c'est pas bon même si tu es un voleur. Est-ce que tu comprends? Ou si tu es un voleur. Si ça continue de te déranger, c'est que tu voles toujours. Oh non, mais pourquoi il a prêché un tel message? C'est trop dur, mec, c'est trop dur. Prêche-nous un autre message. Tu sais pas, quand tu as prêché sur la multiplication des pains, la foule était contente. Les gens mangent, on était nombreux. Regarde les messages que tu prêches, change les messages. Quoi? Vous voyez? Ça, c'est les disciples qui disent, qui peut l'écouter? Mon Dieu. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Vous voyez? Quand vous êtes un grand homme de Dieu, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, vous pouvez savoir à des moments que vos disciples ne sont pas d'accord avec vous. Et la Bible dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est-à-dire là, il remet maintenant son identité réelle. Si vous me voyez monter là où j'étais auparavant pour dire, hé les gars, c'est pas parce qu'on est tous humains ici, on mange le même pain en Israël, que vous pensez qu'on est la même chose. Moi, je peux monter, vous me voyez partir. Vous êtes de la terre. Je suis venu chercher à vous ramener là où vous étiez avant. C'est ce qu'il était en train de dire. Et c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Dès le commencement. Ça, c'est fort, ça. Oh Dieu, aide-moi à avoir cette grâce. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Et il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus. Les disciples le quittent. Jésus, le Tout-Puissant. Quelqu'un qui a ressuscité les morts. C'est-à-dire, il regarde le pauvre, lève-toi. Lazare sort. Malgré ça, les disciples disent, bye bye. Non, mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'Église, quel que soit ce que vous faites, il y a toujours les gens qui vont partir. Mais, bénissons Dieu, de ce que ceux que Dieu nous a envoyés demeureront. Il y a des personnes qui doivent partir, qui peuvent même être disciples, mais qui ne sont pas là pour être là. peuvent partir. Si Dieu, le Tout-Puissant, a perdu le tiers des membres de son église, en un jour, Lucifer a dérobé, il est parti commencer son église. L'église. Il a commencé son église. Sauf que ça n'a jamais été la même chose que l'église où il était assistant pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, les disciples ont quitté, ce n'est pas la foule, les disciples. Et il pose la question, il dit, Pierre, vous là, vous ne voulez pas partir les gars, vous voulez partir aussi? Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il ne faut pas garder très proche les personnes qui n'ont pas la conviction d'être proches. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Vous devez toujours faire un test. Sinon, vous êtes un homme mort. Je parle vraiment des leaders, de ceux qui sont appelés aux leaders. Faites très attention. J'avais un jour un jeune collaborateur. Je l'aimais beaucoup, vraiment beaucoup. Et vous savez, quand vous aimez beaucoup un collaborateur et que vous voulez l'amener loin, soyez ferme avec lui. Soyez ferme. Sinon, vous allez détruire. Même vos enfants. Ne donnez pas tous les chocolats à vos enfants, tous les bonbons qu'ils demandent. Vous allez les détruire avant le temps. Soyez ferme. Et donc, quand il y a eu une transition, je priais, j'ai dit, le dernier test que je vais faire passer au jeune homme, j'ai dit, maintenant je vais nommer les gens autour de moi. Donc je prends quelqu'un qui était arrivé après lui, et je mets juste après moi, et lui, moi je le mets après. Dès qu'il a eu ça, le lendemain, il est venu me voir, il dit, pasteur, je priais, Dieu m'a parlé, j'ai dit quoi? Dieu m'a dit, c'est le moment de partir. Et donc, quand il m'a dit, c'est le moment de partir, je savais que ce n'était pas le moment. Je le savais fortement au fond de moi. Car c'était un test. Il a dit, c'est le moment de partir. Et hélas, il est vraiment parti. Et silence radio. Aujourd'hui, je pense sérieusement qu'il serait en train de parcourir le monde. À l'heure actuelle, s'il était là. Il serait en train de je l'aurais amené dans les endroits où j'aurais donné le premier jour de séminaire, parler devant les foules. Mais le dernier test, le tout dernier, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il recherchait ses intérêts. Non, on ne m'a pas mis le second, je ne suis pas le second, donc je pars. Un tel homme, laissez-le partir. S'il reste, il vous tue. Parce qu'il sera tellement soucieux de prendre votre place qu'il fera mourir avant votre heure. Ne mettez jamais autour de vous les gens qui célèbrent votre absence. Ne mettez jamais autour de vous les personnes qui veulent absolument prendre votre place. Éloignez-les. Elles sont dangereuses pour le bien-être des autres. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas dire ça à l'église, j'ai pu entendre notre pasteur appeler quelqu'un, mon fils, ma fille. Non, pas ton fils, ta fille, depuis quand? Il y a un seul père dans la maison. Il n'y a pas plusieurs pères. Les autres sont pasteurs, je suis père. Et même moi-même qui suis père, je ne veux pas qu'on m'appelle père. C'est un brigand. C'est un mercenaire. Oh, sérieux, sérieux. C'est un mercenaire. Le mercenaire, il vient seulement pour jouir des brebis. Et vous allez vous rendre compte que quand vous avez des gens qui sont autour de vous, qui ne s'attachent qu'aux brebis qui portent déjà du lait. Ah, regardez-les avec un œil le jour et un œil la nuit. Parce que ceux-là, ils peuvent causer des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Mais vous savez, je peux vous dire ces choses, je suis un homme libre. Je peux vous dire ouvertement les choses. D'accord? Un autre... mon Dieu. Une voiture. On donne une voiture à quelqu'un. Une voiture. Son caractère change. Je toujours pas sur la convoitise. Une voiture. Il y a des gens qui vous côtoient pour votre argent. Il y a des gens qui vous côtoient pour la réputation. Il y a des gens qui vous côtoient simplement parce qu'ils veulent être autour de cette gloire. Mais ils ne veulent pas participer au prix de la gloire. Mais ils veulent jouir des fruits de la gloire. Ils sont dangereux. Une voiture. Le comportement a changé. C'était devenu... Moi-même qui prêche, je ne prêche pas la main dans la poche. Ah voilà maintenant comment il prêche. Fille, je vais vous dire. Je vais vous dire. La main dans la poche. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Donc quand on atteint cette dimension, vous vous rendez compte simplement que la personne est remplie. Donc sérieusement, il faut faire très attention. Il faut toujours, toujours, en tant que leader, voyez, faire des tests aux personnes qui sont tout autour de vous. D'accord? Donc, faites attention si c'était pour la convoitise. C'était le cas de Judas. Il a fini par livrer Jésus parce qu'il volait dans la caisse. Il faut faire très attention. La convoitise est terrible. Terrible, 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 terrible. Point numéro 8, Ceux qui ne font qu'à leur guise. 7, c'est la convoitise. 8, 6, on a mis, sème les mauvaises motivations. 7, la convoitise. 8, ceux qui n'en font qu'à leur guise ou à leur tête et n'aiment pas les reproches. Ils n'aiment pas les reproches. Prenez garde. Luc 17, verset 3. À vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Si ton frère a péché, reprends-le. Si ton frère a péché, reprends-le. Celui qui n'aime pas qu'on le reprend n'est pas un frère. Parce que si tu as péché, on te reprend. Un jour, vous savez, j'ai quelqu'un que j'établis responsable quelque part. Et puis donc, je prends la décision de nommer quelqu'un d'autre. Oh non, je ne suis pas d'accord, le révérend, il a pris une décision, je ne suis pas concerté, etc. Bien aimé, est-ce que j'ai besoin de te concerter pour prendre une décision? Je suis pasteur. Je prends une décision pour nommer quelqu'un. Que tu sois content ou pas, qu'il pleuve ou neige dans ton village, ça, ce n'est pas mon problème. J'ai nommé quelqu'un. Ce que la Bible te demande de faire, c'est de soutenir ma nomination. Donc, si tu contestes la nomination, et tu attends, tu me brandis le verset biblique en disant « Oh non, tu n'as pas le droit de me réprimander devant les autres. » J'aurais t'aurais dit « Attention, si tu avais contesté en secret, c'était différent. » Quelqu'un que vous établissez qui conteste votre autorité devant les autres, reprenez-vous devant les autres. Si vous le faites en secret, vous êtes en train de tuer votre autorité. Faites-le devant les autres. C'est-à-dire, si les hommes, les hommes sont réunis et un homme parle en disant quelque chose qui est mauvais, ne l'appelez pas à part pour le reprendre. Vous n'êtes pas un bon leader. Ne le tirez pas à part, parce qu'entre-temps, il a semé quelque chose. Donc, demain, les autres feront la même chose. Donc, reprenez-le devant le même groupe, pour que tout le monde sache que ce qu'il a fait n'est pas bon. Alors, s'il n'est pas d'accord avec ça, qu'il choisisse d'avoir deux têtes. Ça pourra peut-être aller. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Eh bien, je peux vous dire ces choses librement. Je peux vous les dire librement, parce que je ne recherche qu'une seule chose, votre bien-être. Et il y a des choses qu'un pasteur ne vous dira jamais tant qu'il dépend de vos poches. Ou il croit dépendre de vos poches. Moi, je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Un, vous êtes un fardeau. Sérieux? Que je porte avec joie. Mais c'est un fardeau quand même. Hier, ma nuit a été très brève. Je dormi environ 2 heures de temps. Parce que je devais t'enseigner ce message ce matin. Et prier pour l'église. Si tu n'étais pas là, je serais seulement à Bassam. Ce n'était pas empêché d'aller au bord de la mer, me reposer. Je sors d'un long programme. Le ciel aura compris que moi-même j'ai besoin de me reposer. Mais à cause de toi, j'ai été éveillé. Est-ce que vous comprenez? J'étudie et je prie pour toi. Et je le fais pour ton bien. Donc, bien aimé, avant de commencer l'église, j'avais déjà un peu, comme on dit à Abidjan. D'accord? Et quand j'ai commencé l'église a commencé à prendre dans le un peu que j'avais. Donc ce n'était vraiment pas une raison de continuer l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sérieusement. Mais je ne fais pas passion. Donc je peux te dire ce que je pense. Sans problème. Avec amour. Sans orgueil. Pour ton bien. Parce qu'à aucun moment, je ne rattache ma destinée à ta poche. Vous savez, la pauvreté ne souhaitait jamais avoir pour leader spirituel un homme pauvre. Je vous garantis qu'il va occulter un bon pan de votre destinée. Il y a des choses qu'il ne vous dira jamais, parce que la pauvreté crée un complexe. Il y a des choses qu'il n'affrontera jamais en face, parce qu'il dépendra de vous. Mais célébrez un leader qui peut se lever et vous dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Passe ici, ne passe pas là-bas pour ton bien, ça c'est bon. Amen. Très important. Amen. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que je suis ami des pauvres de l'église qui n'ont presque rien, qui sont à leur début parce que je vois en eux une richesse. Je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit. Il y a des gens ici, multimillionnaires, c'est qui je n'ai jamais mis les pieds. Peut-être parce que je n'ai pas été aussi invité, mais je n'ai jamais demandé à venir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que ce que je désire, c'est le bien-être des gens. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre à lutter? Oh, il a pris mon membre. Généralement, quand les gens luttent, il a pris mon membre, ce n'est pas le membre. Ils pensent au blé. Vous avez déjà vu qu'on a lutté pour le vendeur d'arachide? D'ailleurs, on ne se rend même pas compte qu'il a quitté l'église. Encore, hé, ma fille, comment tu vas? Hé, ça va? Mais je ne t'ai pas vu à l'église dimanche. Pasteur, ça fait 3 ans que je ne suis plus à l'église. Ah, parce qu'elle vend les arachides. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Donc et ça, c'est un problème. On ne doit pas en rire. les hommes ont la même valeur aux yeux de Dieu. La même valeur. La même valeur. Et les gens qu'on voit faibles aujourd'hui ont le potentiel d'être forts. Donc moi, j'ai de la joie à m'investir sur les faibles, à les coacher, à prier et à en faire des forts dans l'église. J'ai une passion pour ça. Un autre premier culte est venu me voir et il m'a dit, écoute pasteur, je suis dans l'église depuis longtemps, je ne vois rien. Mais j'ai aimé ce frère, j'ai aimé, j'aime les gens francs. Il me dit, Dieu m'a envoyé ici, il m'a dit, tu avais une onction pour faire prospérer mes affaires. Ça continue comme ça, pasteur, vraiment, il a été clair. J'ai regardé le frère. Et vous savez, moi, j'ai été sincère avec Dieu. J'ai dit, donne-moi tes mains. J'ai dit, Dieu, il dit que. C'est comme ça que j'ai prié. Qu'il est venu ici parce que tu lui as dit que. C'est pas moi qui lui le dis. Donc, sur cette base, j'ai prié. Je vous garantis, il est venu me voir après. Moins de 2 mois plus tard, il a eu 3 marchés. Le plus petit était de 2 milliards. Suivez maintenant son commentaire. Pasteur, ce n'est pas ça que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, tu as demandé quoi à Dieu? Il dit, ces marchés sont trop grands pour moi. J'ai dit, mais finalement, tu veux quoi? Authentique histoire. Tu veux quoi finalement? Il dit non, c'est des marchés qui vont me stresser, je voulais le marché de ça. Il dit tu as demandé que mon Dieu intervienne. D'accord? Donc mon Dieu a intervenu comme il sait intervenir. Et pour raccourcir le témoignage, pour le futur temple, il a dit c'est déjà engagé à donner 500 millions. Seul. Donc maintenant suivez-moi bien. Nous servons un Dieu extrêmement puissant. Donc on ne peut pas mépriser les gens à cause de faibles apparences. D'accord? On doit avoir on doit considérer tout le monde. Et toi aussi, ne te méprise pas. N'aie pas de complexe. Oh non, dans cette église, les gens sont tous riches. Mais pourquoi tu veux qu'on soit pauvre? La Bible même a été écrite par un homme riche. Donc, si tu as un problème de pauvreté, adapte-toi. La vie dans la foi, c'est aussi faire semblant. Tu vois les gens en costume, tu ne sais pas s'ils ont dans le compte. Porte aussi en costume, tu viens t'asseoir avec eux. Quoi le problème? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Fais semblant. Jacob n'était pas Ésaü, il a porté les habits d'Ésaü. Quoi le problème? Les autres ont mis mèches brésiliennes, mais aussi tes mèches. Quoi le problème? Tu viens à l'église, tu t'assois. Si tu estimes que le protocole respecte les gens qui sont bien habillés, habille-toi bien. C'est simple. Quand tu parles, tu comportes-toi comme quelqu'un qui a un peu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est tout. Non mais pasteur, j'arrive en bus, on va remarquer que tu n'es pas obligé de qu'on remarque. Mets-toi la langue de l'autre côté. Quand le bus partit, stop, tu entres rapidement, tu te mets dedans. Et puis on t'amène. Tu n'es pas obligé de monter à tout le monde, tu prends le bus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La foi, c'est faire semblant. Si tu n'as pas appris à faire semblant, tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois. Fais semblant d'être riche. Pasteur, je n'ai pas de parfum, c'est pas grave, mets le citron. Et si quelqu'un te demande, tu dis, tu as le parfum bio. Voilà, c'est ça, c'est bio. Ton parfum, il est bio, c'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que c'est compliqué? C'est simple. Amen. Il faut décomplexer ta vie. Il y a des gens qui estiment qu'elles ont été déçues. Elles estiment qu'on les a déçues. On m'a déçu, on m'a déçu. Je suis venu dans cette église, on m'a déçu. Bien aimé, vous savez, celui qui se met à croire cherche ce qui lui plaît. Souvent, les personnes qui parlent de déception sont paresseuses. Je me suis rendu compte que les personnes diligentes, rarement disent on m'a déçu. Rarement. Ce sont les paresseux, qui n'aiment pas travailler, qui parlent de déception. Pourquoi? Parce que dès qu'elle te voit là, tu as 1, 2, 3 voitures, tout de suite elle pense qu'elle doit avoir, il va prendre une de tes voitures. Non. La vie ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas prendre une voiture et donner à un enfant de 4 ans. Et il y a un niveau spirituel. Il y a des gens à qui je veux bien donner une voiture. Mais quand je regarde, je ne peux pas donner une voiture. À d'autres, j'ai donné des voitures. Parce qu'ils ont le niveau. On dit, oh oui, mais lui, il est venu. Non, ça dépend du niveau. Il y a des gens qui ne peuvent pas gérer une voiture aujourd'hui. Ils n'ont pas le niveau de la voiture. C'est simple. Il faut être mature pour comprendre ça. Oh non, l'autre a donné une voiture, moi, on n'a rien donné. Non. Et puis en plus, n'oubliez pas, on doit être conduit par l'esprit. Dieu oriente à faire du bien à qui il oriente. Vers qui il oriente. Ton tout va venir. Pourquoi t'es pressé? Et puis, vous voyez, moi, écoutez-moi très bien, on ne m'a jamais offert de voiture. Quand j'étais pasteur, mon plus long salaire, mon plus grand salaire était 25 000. Mais j'avais juré devant le trône de Dieu de toute ma foi que je ne mourrais pas sans avoir offert au moins 50 voitures sur terre. Et j'ai commencé à en donner. Je suis à plus de 10. À en donner. Pourquoi? Parce que la foi prend plaisir à donner, pas à recevoir. Je vous ai dit, il faut faire semblant. On m'appelait l'homme prospère, je touchais 25 000. J'allais à la flipperie, je sélectionnais les costumes. Je ne sais pas si la blanche, je sais laver les habits. Quand c'est ça, je sais comment on est. Demandez à ma femme, une tache tombe, je peux l'enlever tout de suite. J'ai des techniques de repassage instantané, tout de suite. Parce que la galère m'a enseigné ça. Ouais. Même la voiture, si j'ai là la voiture, vous la voyez, vous n'allez pas aller au lavage. Je sais couper les herbes. Je sais faire beaucoup. Laver le sol, cirer, je sais faire. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu dois apprendre à faire des choses. Ce n'est pas le moment de dire on t'a de travail. Travaille, tu as des mains. Travaille. Voyez-vous? Vous avez des gens autour, vous avez des gens. Vous les confiez une tâche. Une tâche, il faut un mois pour faire. J'appelle, je dis, mais mon frère, tu vas aller loin. Une tâche. Moi, regarde toutes les tâches que j'ai à faire, j'exécute. Je suis ici parmi vous, j'arrive le matin avant vous, je pars après vous. Je te donne une tâche, tu fais un mois pour faire la tâche. Et puis quand on dit, que Dieu te lève, amen. Il y a des gens qui lèvent demain, amen. Je dis, Dieu, tu sais que lui, il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné parce que Dieu ne peut pas les lever. Sérieusement. Il n'est pas concerné de lever les mains. Vous voyez, parce qu'à l'église, on pense effectivement que Dieu est stupide. C'est ça le drame. Il ne l'est pas. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. La diligence. Proverbe 21, verset 25. Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Cela ne t'arrive pas. Dixième point, l'orgueil. Oh, ça c'est terrible. Quand il nous arrive de penser que oui, oh non, j'étais là dès le début. Cette entreprise, on a commencé ensemble. Ce bureau d'études, j'étais là avec lui. On a commencé, on voyageait ensemble. Maintenant, il est devenu trop riche. Me voici. Maintenant, je vais partir. On va voir comment il va faire. Non. Bien aimé, il faut faire attention. J'ai aimé une réprimande qu'a fait le bishop et de ses pasteurs. Vous savez, dans son église, il affecte les gens tous les 3 ans. Tu es à une église, après 3 ans, on t'envoie ailleurs. Et ça marche très bien ici. D'ailleurs, c'est un système que je vais adopter. Ça marche très bien. Parce que souvent, vous avez des gens qui sont comme des fonctionnaires. Ils ne comprennent pas le prix à payer. Ils s'asseyent là souvent pour une maison à louer. Et là, donnent salaire à la fin du mois. Ils ne comprennent pas qu'il faut bosser. Donc, il est arrivé. L'église a eu 3000 membres. On l'a affecté pour une autre église. Il dit non. Et dans tous les cas, vraiment, lui ne part pas. Parce que s'il n'était pas là, l'église ne serait pas là. Donc, le bishop lui a dit, écoute, il est probable que nous ne sommes qu'à 3000 parce que tu étais là. Donc, si tu n'étais pas là, peut-être qu'on sera à 6000. Voyez-vous? Il a vu autrement. C'est probable. Et c'est vrai. Un autre encore a décidé de partir comme ça, on m'a appelé, j'ai dit, dites-lui qu'il a occulté sa destinée. Vous ne pouvez pas partir de la sorte et de béni. Impossible. Quand il faut partir, négociez bien votre départ. Ne partez pas comme un voleur. Non. Il y a des gens, ils disparaissent de l'église. On les appelle. Oh non, j'ai mal à la tête. Non, j'ai fait ci. Non, ils sont des excuses. Bien aimé, si tu veux partir, pars. Mais pars bien. Vous ne pouvez pas être responsable d'une assemblée, on vous donne une responsabilité, vous disparaissez. Et vous allez dire, je vais prier ailleurs. Le même Dieu que tu as lâché ici, il ne pourra pas te nourrir là-bas. Vous savez, je n'ai jamais maudit un fils. Mais je peux vous dire, tel fils est maudit. Je peux vous donner des noms de fils maudits. Je vous dis tel. Jusqu'à ce qu'il fasse ça, il ne sera jamais loin. Ce n'est pas une malédiction. Oh, pasteur, pourquoi tu parles ainsi? Non, je connais Dieu et ses lois. Ça ne va jamais marcher. Quelqu'un qui disparaît du jour au lendemain, qui a des responsabilités, qui s'en va, ne peut jamais réussir. Je dis bien jamais réussir. Que je sois vivant ou mort, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est un principe divin qu'on ne peut pas violer. C'est le même royaume, c'est le même Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. Soyez des personnes de grande maturité. Dieu dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand le temps de Dieu arrive, il le fait dans l'ordre. Prenez la bénédiction de votre Père et partez avec. Et moi, je vais plus loin. Je vous donne la bénédiction et l'argent du transport. Sérieux. Je suis très sérieux. Je vous accompagne avec mon cœur. Sérieusement. Vous savez, je vous dis, je prie aujourd'hui pour savoir s'il faut rester en Côte d'Ivoire. Je prie pour savoir. Parce que les années passent, je me pose la question, il faut rester, il faut partir. Dieu m'a dit, viens. Non, il faut que je sois attentif pour savoir. Peut-être qu'il ne dit pas. S'il ne dit pas, je pars. Tout ce qu'on a fait ici, ce n'est pas pour moi. Peut-être je travaille pour quelqu'un qui est dans la salle et il ignore ça. Et c'est lui qui est en train de faire le commérage. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh oui, je ne suis pas attaché à ces choses. Pas du tout. Je suis attaché à Dieu et à mon Dieu. J'aime le Seigneur. Je suis passionné de Dieu. S'il me dit de faire quelque chose, je le ferai. S'il dit pas, je partirai. J'ai souvent étudié, ben, est-ce qu'il ne faut pas aller en France? Est-ce qu'il ne faut pas aller à Atlanta? Est-ce qu'il ne faut pas aller au Cameroun? Est-ce qu'il ne faut pas? Il y a des gens qui appellent. D'autres me disent, on met l'argent à disposition. Viens nous aider ici. Je suis là, prisonnier du Seigneur, à te servir. Pourquoi donc tu te ferais un tort à vouloir occulter tes pas? Si tu sens que tu n'es pas à ta place, parlons en frère. Et je prie pour toi. Ce message n'est pas pour l'église, hein, c'est pour le corps de Christ. Viens me voir, je prierai pour toi, je te recommanderai. Et on se retrouvera en cocktail, on va se saluer. Bon, comme Dieu n'aime pas les palabres au ciel, il est probable que si tu pars en palabres, un de nous deux n'entrera pas. Ce sera qui? Toi qui es parti, pas moi. Pense à ça. Est-ce que vous comprenez? Les gens, vous voyez les gens, non. Allons-y plus loin, dis à ton voisin, allons-y plus loin. Ayons de la maturité en Christ. Amen. La déloyauté n'est pas une bonne chose, bien aimé, elle n'est pas une bonne chose. Ce sont des personnes loyales. Et ne courez pas toujours après l'exposition. Il faut que je sois devant, il faut que je sois vu. Bien aimé, il y a des gens que je valorise. Et je vais vous le prouver. Que je valorise dans cette église, que vous ne voyez pas. Je viens ici souvent les samedis. Je viens, je reste à mon bureau, je m'enferme, je vois qui est là, je vois qui n'est pas là. Je vois ceux qui travaillent. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, qui font le meilleur du boulot dans cette assemblée, qui ne sont pas visibles. Ils ne prennent pas la parole au pupitre, mais je vous garantis, ils sont importants. Très importants. J'étais en train de méditer l'autre jour, excusez-moi l'illustration, et Dieu m'a posé la question, est-ce que tu vois, est-ce que tu prends ton anus en photo? J'ai dit non. Ça me semblait grossier. J'ai dit non, mais Dieu n'est pas grossier. Il m'a dit, mais le jour, si un jour tu as des hémorroïdes, tu connaîtras l'importance de ton anus. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont de grande valeur. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas importants au corps. Ils peuvent même avoir l'air méprisable, mais leur présence est incontournable. Sois simplement rassuré de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, là où tu es, au temps convenable, il va lui-même t'élever. Ne sois pas pressé. Va à ton rythme, va à ton pas, va à ta cadence. Les premiers seront les derniers. N'oublie jamais que l'arche ne s'est pas fermée tant que la tortue n'était pas entrée. Gloire à Dieu pour la gazelle. Gloire à Dieu pour la biche. Gloire à Dieu pour ces animaux rapides qui sont entrés en premier. Je le sais que tu n'as pas autant de dons que les autres. Mais je vais te garantir que dans le royaume des cieux, ce n'est pas les dons qui comptent. C'est le caractère. Le caractère qu'on a. Quand ils sont entrés, tout le monde était... Oh, ils sont entrés en premier. Mais l'arche ne s'est pas fermée. C'est quand Dame Tortue est arrivée et que la tempête commençait à frôler dans le ciel. Et les premières gouttes tombaient, mais la tortue n'était pas pressée. Parce qu'elle ne peut pas se presser. Elle n'a pas été conçue pour être pressée. Elle était conçue pour marcher dans sa majesté. Rite pas après pas. Et quand elle est arrivée, tout le monde l'a accueillie en acclamant parce que enfin la dernière personne devait entrer. Et là, elle s'est refermée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, on acclamera sur ta vie de cette manière. On célébrera ta destinée. Amen. On te considérera parmi les hommes. Ne méprise pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Je lève ma main vers le ciel et je prie pour toi en demandant que Dieu te permette de bien gérer la connexion divine. Qu'il étende sa main puissante de son bras étendu sur ta vie. Qu'il te bénisse de façon surabondante au nom suprême de Jésus. Oui, qu'il t'aide à valoriser les personnes avec lesquelles tu as mis en contact. Valoriser tes leaders, valoriser ton pasteur, valoriser ton patron, valoriser ta femme. Toutes les connexions importantes pour ta destinée. Que tu ne les ébranles pas, que tu ne les détruises pas, mais que tu jouisses de toute la substance glorieuse rattachée à cela. Afin que ta destinée connaisse l'accélération par sa main puissante et bras étendus. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen.